Salut, comment ça va? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à faire un Faki Big Spin ou Nollie Big Spin, ça dépend de vos préférences. Mais en gros c'est à peu près la même chose pour les faire. C'est juste une question de préférence, d'habitude et de confort. Et moi je suis plus confortable et je suis plus à l'aise en Faki Big Spin. Donc je vais vous apprendre à faire le Faki Big Spin aujourd'hui. Et déjà pour commencer, on va voir des prérequis qui sont bien d'avoir avant d'essayer de le faire. Donc le premier prérequis à avoir, c'est évidemment le pivot. Donc comme ça. Voilà, ça c'est le premier prérequis, donc un pivot, Faki pivot, Nollie pivot, comme vous préférez. Et le deuxième que je trouve bien d'avoir, parce que c'est des tricks assez faciles, basiques à apprendre au début, c'est le Faki ou Nollie chevite, donc comme ça. Bon, donc maintenant que vous êtes à l'aise avec ces deux prérequis, ou vous l'avez déjà au moment où vous regardez cette vidéo, on va s'intéresser pour commencer à la position des pieds qui est quand même vachement importante, je trouve, pour faire ce trick. Donc le pied avant, celui qui va aller sur le nose, il faut qu'il ait les orteils, il faut poser bien tes orteils sur le tail, enfin sur le nose, et pas le talon, vraiment comme ça, pour pouvoir popper après. Et le pied arrière, il faut bien le mettre, moi je le mets bien au milieu, ça me permet de contrôler la board, pas trop au bord, à peu près droit, et ça va permettre que tu flippes pas en fait, que ta board elle tourne pas pendant que tu vas le lancer et qu'elle reste bien sous ton pied à tourner comme ça. Bon, donc maintenant que tes pieds ils sont bien placés, on va s'intéresser au mouvement du big spin, parce que c'est ça qu'on veut savoir pour réussir à le faire. Donc si je t'ai demandé d'avoir le pivot en prérequis au début de la vidéo, c'est pour une raison, c'est parce que tu vas en avoir besoin pour faire un big spin en longboard. En longboard tu peux utiliser le pivot pour lancer ton big spin. Tu vas pas faire un pivot complet, tu vas juste faire un petit bout de début de pivot et ça va vraiment t'aider à lancer la rotation. Donc là on a appris à placer nos pieds, à entamer le big spin, mais on n'a pas encore vu comment lancer le big spin, parce que là on a juste un début de pivot, mais pour lancer le big spin il faut popper aussi. Et pour avoir un bon pop en big spin, il faut vraiment être détendu sur ses jambes pour pouvoir avoir plus de détente et pouvoir popper le big spin plus fort. Pendant ton pivot, tu vas venir tendre la jambe qui est sur le nose en pliant celle de derrière. Et donc ça, ça va te permettre de popper. Mais après, il faut faire une rotation. Donc pour faire la rotation du big spin, tu vas venir avec tes épaules. Pendant le pivot, quand tu as fait un bout du pivot, tu vas venir faire popper et emmener la board avec toi. Regarde comment je fais. Et après là, une fois que tu as fait tout ça, il ne reste plus qu'à le replaquer. Et là, bah, à part que ça se joue beaucoup dans la tête, je ne vais pas pouvoir dire grand chose pour la replaque. Il faut que tu restes bien au-dessus de ta board, que tu sois concentré et ça va passer tout seul. Regarde comment on fait, je te mets 2-3 petits extraits et c'est parti. Bon, donc maintenant que tu as vu les bases pour faire un big spin, je vais te donner quelques petits tips en plus pour y arriver plus facilement, en forçant moins, pour y arriver peut-être plus vite aussi. Donc déjà, si t'as pas peur, tu peux aller justement, tu peux aller plus vite. En allant plus vite, tu auras besoin de donner moins de force à ta planche pour qu'elle tourne, et donc tu auras besoin de popper moins fort aussi. Elle tournera plus vite. Après, un autre petit tip, ce qui peut être intéressant, c'est de carver fort avant de le faire, de prendre un gros virage, et comme ça tu as déjà fait un bout de la rotation et en plus ton virage va te donner la force pour pouvoir faire le 360. Bon, avec tout ça j'espère que tu vas réussir à faire un big spin. Maintenant je vais te proposer quelques petites variantes comme le Faki Big Spin Crossland ou le Faki Big Flip, qui sont deux variations que j'aime beaucoup faire. Allez, c'est parti. Bon, du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à apprendre le big spin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
ou à venir sur mon Instagram qui s'affiche juste là pour m'envoyer une petite vidéo pour le montrer, ça me ferait super plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, à me le dire. Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut !